L'essentiel de l'actualité avec Guillaume Lariche. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Laurie, bonsoir à tous. À 8 jours du premier tour pour élire les 577 députés français, le Rassemblement National progresse encore 2 points de plus que la semaine précédente. Le dernier sondage OpinionWay affiche 35% des intentions de vote pour le RN. Dans le même temps, le NFP, le nouveau Front Populaire de Gauche, et le camp d'Emmanuel Macron progressent également. Un scrutin qui devrait attirer beaucoup de monde dans l'isoloir. Déjà plus d'1 million de procurations demandées. Les sondeurs s'attendent à une participation record, Geoffrey Branger. Oui, selon les dernières estimations, la participation devrait être bien plus importante qu'en 2022, passant de 47,5% de votants à 63%. Les explications de Benjamin Morel, politologue. Ce sont des élections dans lesquelles l'enjeu est perceptible. L'électorat du Rassemblement National a l'impression qu'il va gagner, donc il se mobilise. L'électorat, notamment de la gauche, a la perception que le RN peut gagner. Et donc, il se mobilise également. Tout ça fait qu'on a beaucoup de participation. Pour Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, c'est le Rassemblement National qui pourrait profiter de cette mobilisation. Traditionnellement, l'électorat du Rassemblement National est un électorat de classe populaire qui se mobilise moins bien que celui du pouvoir macroniste. Et puis la participation pourrait avoir un autre impact, une augmentation du nombre de triangulaires, Benjamin Morel. La plupart des second tours devraient opposer d'un côté la gauche, de l'autre le RN. Si on a une majorité à 18% ou en dessous, ça va être très compliqué pour elle de s'imposer dans des triangulaires. Si elle est autour de 20, on peut avoir une multiplication de ce type de scrutin. Ce qui fait également penser que la participation sera importante, c'est que plus d'1 million de procurations ont été faites. C'est autant que pour la dernière présidentielle, mais en seulement une dizaine de jours.